Bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire dédié à l'endométriose. Donc, je suis le docteur Tignac Sandrine, je suis médecin généraliste et secrétaire adjoint de l'URML Martinique, l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Et donc nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette quatrième conférence en fait sur l'endométriose. Donc cette pathologie qui depuis quelques années on dit méconnue commence progressivement justement à se faire connaître. Autant du grand public, mais aussi de la profession médicale, paramédicale et de nos administratifs. Même s'il y a encore du chemin à parcourir, les intervenants de ce soir vont vous montrer leur engagement et les moyens mis en place pour aider et prendre en charge au mieux les femmes atteintes d'endométriose. Ce soir interviendra le docteur Chevalier Ludivine, chirurgien viscéral, qui a intégré l'équipe de chirurgie gynécologique de la MFME depuis novembre 2020 et en tant que référente viscérale, justement pour cette filière endométriose. Elle est également formée à la chirurgie gynécologique. Elle nous informera entre autres des différentes activités médicales, du parcours de soins et de sa prise en charge de l'endométriose en Martinique. Ensuite, Dr Zuiten, médecin échographiste, nous expliquera l'intérêt et l'apport de l'échographie dans le diagnostic de l'endométriose. Ensuite, Dr Merlin, radiologue, elle nous expliquera la place de l'IRM. Et avant les questions-réponses en compagnie du Dr Dispagne, gynécologue, nous laisserons la place à Monsieur le Dr Beer, médecin de la douleur, pour nous expliquer la prise en charge justement de cette douleur liée à l'endométriose. Mais avant tout, je tiens à remercier l'association EndoFrance avec qui nous collaborons dès le début et spécialement Madame Sabine Trébaol, responsable des relations institutionnelles de l'association, qui est justement parmi nous ce soir depuis la métropole et à qui je laisse la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, merci. Je vais tenter de partager un PowerPoint. Alors, attends. Hop. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde le voit bien? Là, parfait. Donc, je vais vous présenter rapidement donc, l'association, le rôle de l'association en Martinique et également l'implication et l'actualité avec la stratégie nationale actuelle. Donc, l'association EndoFrance, en quelques mots, donc, c'est la première association de patientes de lutte contre l'endométriose en France. Donc, elle n'a pas donc 19 ans d'existence, mais aujourd'hui 21 ans d'existence. L'association a un slogan, donc en trois mots, soutenir, informer et agir. Donc, soutenir les patientes, soutenir la recherche, informer le grand public et les patientes pour les orienter et agir auprès des institutions. L'association EndoFrance est reconnue association d'usagers du système de santé par le ministère de la Santé depuis septembre 2018. Donc aujourd'hui, l'association EndoFrance, donc c'est plus de 120 bénévoles, c'est un comité scientifique de plus de 30 médecins avec plus de 2600 adhérents en 2020. On a beaucoup de connexions sur les réseaux sociaux, donc un compte Facebook, un compte YouTube, un compte Instagram. On est également présent sur Twitter. Donc voilà. Et on a aussi eu la possibilité de donner plus de 200 000 euros à des projets de recherche depuis la création de l'association. Les principales actions de l'association, on a créé un livre, Les idées reçues sur l'endométriose en 2018, qu'on a actualisé en 2020. On a participé aux rédactions des recommandations sur l'endométriose auprès de la Haute Autorité de Santé, mais également aux recommandations européennes auprès de l'ESHRE. On a mis en place le premier programme d'éducation thérapeutique du patient donc, en 2016 et on participe activement aux relations avec le ministère depuis 2013 pour la reconnaissance de la pathologie. L'association EndoFrance, c'est aussi une marraine et un parrain. Donc, Laetitia Milo,
que vous connaissez peut-être, qui est une actrice française, et un parrain, donc Thomas Ramos, qui représente également les compagnons face à l'endométriose, puisque l'endométriose est une maladie de couple et concerne aussi les conjoints et les pères. Donc, en Martinique, l'association EndoFrance donc, a eu l'occasion de mettre en place l'Endomarche mondiale en 2016 et en 2018. On organise également avec deux bénévoles sur place, donc Jeanne et Isabelle, des rencontres amicales pour les femmes qui souffrent d'endométriose, des conférences et des tables rondes avec des professionnels de santé, des manifestations au grand public avec des partenaires et des bienfaiteurs, donc le Rotary Club, le CHU de Martinique par exemple, ou l'URML médecin, donc comme ce soir, que je remercie d'ailleurs. Des manifestations sportives organisées par EndoFrance, mais également pour EndoFrance lorsque ce n'est pas EndoFrance qui l'organise. Également des informations au grand public pour les lycéens, les collégiens ou des permanences auprès des hôpitaux. Des événements au mois de mars régulièrement donc, pour la semaine de l'endométriose. Donc aujourd'hui, il y a le webinaire. Demain, il y a des ateliers interactifs sur la gestion de la douleur en visio. Et de manière générale, on organise des visios toute l'année aussi, avec souvent aux heures métropoles, mais on essaye de s'arranger. La stratégie nationale, alors l'année dernière, nous avons été sollicités par le gouvernement pour participer auprès du docteur Chrysoula Zakouropoulou, qui est députée européenne, à travailler sur un projet sur l'amélioration de la prise en charge de l'endométriose. Donc pour ça, en avril de l'année dernière, 5 groupes de travail ont été formés. L'association EndoFrance était présente dans chacun de ces groupes. Donc un groupe sur l'information et la communication sur l'endométriose, un deuxième sur la formation des professionnels de santé auxquels j'ai participé, un troisième sur la détection de la maladie, un quatrième sur la prise en charge et un cinquième groupe sur la recherche et l'innovation. À la suite de ces groupes de travail, on a émis des recommandations. Donc ces groupes de travail, c'était avec le ministère, les professionnels de santé, et également l'assurance maladie, et on a questionné des professionnels de tous les secteurs pour pouvoir apporter les meilleures solutions possibles. À la suite de cela, nous avons déposé un rapport qui est sorti et a été annoncé le 11 janvier 2022 par le président de la République. Et à la suite de ce rapport, donc il a lancé la stratégie nationale avec un désinvestissement dans la recherche afin de trouver des traitements thérapeutiques adaptés. Donc, ils ont annoncé entre 25 millions et 30 millions d'euros pour la recherche. L'ouverture de parcours de diagnostic facilement identifiable et accessible pour les patients au travers des filières de soins que je vais développer juste après. Et un réflexe endométriose auprès de tout le public pour adapter des formations initiales et continues des professionnels de santé de manière générale. Donc, les filières de soins, pour faire simple, c'est la trajectoire qu'emprunte la patiente. L'objectif, c'est de faire un réseau dans chaque région. Donc, en l'occurrence, en Martinique, il devrait y en avoir un également. Donc, un réseau avec différents niveaux de prise en charge et faire en sorte qu'à chaque niveau, les patientes puissent être prises en charge. Donc, un niveau de soins primaires qui permet aux patientes d'avoir une prise en charge par des médecins généralistes et des gynécos de ville ou des sages-femmes pour leur quotidien. Un niveau de soins secondaires, qui est un niveau de recours de niveau 1, qui concerne plutôt du coup les gynécos un peu plus spécialisés pour apporter des réponses lorsque les soins de primaire ne suffisent pas et qu'il y a besoin d'examens complémentaires, notamment des examens de radiologie et une prise en charge un peu plus importante. Et lorsque cette prise en charge ne suffit pas, il y a l'examen de troisième niveau, donc avec des centres experts. Et la filière organise à ce moment-là des RCP, donc ce sont des réunions de concertation pluriprofessionnelles entre médecins et professionnels de santé pour discuter du cadre de la patiente et essayer de lui apporter la meilleure solution possible pour sa prise en charge.
Je ne l'ai pas précisé ici, il y a eu également dans l'actualité une résolution qui a été votée fin janvier à l'Assemblée nationale concernant l'ALD, l'affectation longue durée. Il y a eu beaucoup de communications dans la presse où il était indiqué que l'endométriose était reconnue en ALD. En fait, ce n'est pas du tout le cas. La résolution qui a été votée, c'est les députés qui conseillent le gouvernement et qui demandent au gouvernement de bien vouloir prendre en considération l'endométriose en tant qu'ALD. Mais à la suite de cette résolution, le gouvernement s'est prononcé donc, pour un système d'ALD hors liste, c'est-à-dire que les patientes qui en ont besoin en feront la demande et pourront l'obtenir. Et il y aura une étude du dossier. Et pour pas impacter aussi les patientes qui ont des endométrioses plus légères et qui n'ont pas forcément besoin de tout ce système. Et voilà. Donc actuellement, l'endométriose il n'est pas reconnu dans la liste officielle des pathologies ouvrant droit à l'ALD, mais il est possible d'obtenir une affectation longue durée hors liste, donc une ALD 31. Il faut en faire la demande et vos médecins vous accompagnent pour cela. Pour les contacts de l'association, donc pour contacter la présidente de l'association, donc c'est l'adresse mail contact. Et si vous souhaitez contacter vos représentantes en région, donc Jeanne et Isabelle, c'est l'adresse martinique@endofrance.org. Elles sont là pour vous accompagner, vous orienter au mieux. Si vous avez besoin d'avoir un professionnel de santé, de savoir lesquels sont formés à l'endométriose, lesquels pourront vous répondre à vos questions ou vous aider dans votre prise en charge, Jeanne et Isabelle se chargeront de vous orienter le mieux possible. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc je vais passer la parole au docteur Chevalier pour la suite de la présentation. Merci. Donc, bonsoir à toutes. Je vais vous présenter l'endométriose avec les actualités médicales. Donc, d'abord, pour commencer, quelques généralités sur la pathologie d'endométriose avec ces chiffres. Hein, l'endométriose touche 10% des femmes. Donc, en France, ça représente 2,5 millions de femmes. En Martinique, malheureusement, nous n'avons pas encore de chiffres, car il n'y a à l'heure actuelle pas d'études qui ont été réalisées, mais j'espère dans l'avenir qu'on va pouvoir en faire et donner quelques chiffres. En tout cas, pour les patientes qui consultent pour infertilité, on se rend compte que 50% d'entre elles ont de l'endométriose et 24% chez les patientes qui présentent des douleurs pelviennes ont également cette endométriose. Il existe des facteurs de risque déjà connus. Alors, ça ne veut pas dire que quand on les a, on a forcément de l'endométriose, mais ça peut être prédisposé. Il s'agit de la nulliparité, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir eu d'enfant, l'exposition prolongée aux œstrogènes endogènes, c'est-à-dire ses propres œstrogènes, donc c'est le fait d'avoir des règles précoces ou une ménopause tardive. Il y a également l'exposition in utero au diéthylstilbestrol, donc ça c'était pour des patientes dans les années 70-80 qui ont reçu un certain type d'œstrogène pour éviter des fausses couches. On s'est rendu compte que les enfants qu'ils ont eus après avaient des malformations et étaient plus à risque d'avoir aussi une endométriose. Il y a d'autres facteurs de risque tels que les cycles courts, les ménorragies, c'est-à-dire des règles abondantes, des obstacles mécaniques au bon écoulement des règles, c'est-à-dire comme des synéchies au niveau donc des adhérences au niveau du col. D'autres facteurs tels que des patientes à grande taille, de plus de 1,67 m, ou bien qui sont plutôt minces, qui ont une alimentation riche en gras, ou aussi il y a le facteur abus sexuel dans l'enfance qui est connu pour faire de l'endométriose. Quelques rappels sur l'anatomie de l'appareil génital féminin. Donc, on voit ici le vagin, on a le col, l'utérus donc, qui est un muscle hein, avec à l'intérieur la cavité utérine, les trompes et les ovaires. Et c'est la cavité utérine qui est tapissée de l'endomètre. Et on parle d'endométriose dès lors qu'il y a la présence de tissus d'endomètre en dehors de cette cavité utérine. Donc ça peut être au niveau des ovaires, des trompes, mais aussi les ligaments utérosacrés, ce sont des ligaments qui retiennent l'utérus en arrière vers le sacrum. Il peut y avoir une atteinte de l'appendice et du tube digestif. Le Douglas, c'est une structure anatomique qui est entre le rectum et l'utérus. Il peut y avoir également une atteinte de la vessie en antérieur, et plus rarement, mais ça existe aussi une atteinte du thorax, voire une endométriose cérébrale. Alors pourquoi on a ce tissu d'endomètre en dehors de la cavité utérine ?
Bien, c'est une question qui reste en suspens. Il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories, hein, comme l'indique ce schéma, avec, à savoir la théorie du reflux menstruel, où on pense que quand on a nos règles, l'endomètre doit s'évacuer par le vagin, mais il peut y avoir des cellules d'endomètre qui vont refluer par les trompes et ensuite aller dans la cavité péritonéale, se greffer sur les organes qu'on a dans la cavité abdominale. Sauf que cette théorie ne suffit pas à expliquer entièrement l'endométriose, et en l'occurrence, notamment pour les patientes qui ont endométriose thoracique et cérébrale, on comprend bien que ça ne peut pas suffisamment expliquer. Donc il y a d'autres théories qui ont été élaborées, mais aucune ne permet vraiment d'expliquer l'ensemble des manifestations cliniques. Donc à ces théories s'ajoutent de nombreux facteurs, tels que des facteurs d'inflammation hormonale, immunitaire, d'oxydation, des facteurs d'angiogénèse, c'est-à-dire qui vont créer de la vascularisation, ou encore des facteurs génétiques ou environnementaux qui peuvent, eux, contribuer aussi de manière indépendante au développement de l'endométriose. Mais pour l'instant, la physiopathologie n'est pas clairement connue et on espère à l'avenir pouvoir faire des études pour nous expliquer un petit peu mieux cette pathologie. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'endométriose est une maladie qui est hormonodépendante. C'est donc la présence de tissus d'endomètre en dehors de la cavité utérine, et ce tissu d'endomètre qu'on voit ici se développe en fonction des variations hormonales qu'on a dans le corps. Donc ça, on le sait, l'endométriose dépend des hormones, et c'est pour ça que souvent on propose comme traitement des traitements hormonaux. Quelle est la part de responsabilité de l'endométriose dans l'infertilité ? Pareil, là, ce sont des hypothèses. C'est surtout lié à l'anatomie qui est perturbée. Hein. Il y a des adhérences liées au tissu d'endomètre qui n'est pas à sa place, qui va faire que la rencontre entre les ovocytes et les spermatozoïdes ne vont pas se passer correctement. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent, avec certainement, on pense, beaucoup de cellules qui sont dans les systèmes d'inflammation, qui vont être là aussi une activité négative pour la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovocytes. Alors, comment se manifeste l'endométriose ? Plusieurs symptômes, mais c'est vrai que celui qui est le plus manifeste, ça va être la douleur. Cette douleur peut se présenter sous différentes formes, à savoir les douleurs pelviennes. Alors, soit elles sont présentes uniquement pendant les règles, c'est ce qu'on appelle des dysménorrhées, ou bien on peut avoir aussi des douleurs en dehors des règles, on va parler de douleurs chroniques pelviennes non cycliques. Ces douleurs, elles ne sont pas forcément que pelviennes, elles peuvent être aussi au niveau, elles peuvent irradier dans le dos, irradier dans les fesses et les jambes, hein, on peut parler de sciatagie, de cruralgie. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports sexuels, qu'elles soient permanentes ou positionnelles, on va parler de dyspareunie, ou encore de douleurs basithoraciques si jamais il y a des nodules d'endométriose au niveau du diaphragme, ou des douleurs thoraciques si c'est une endométriose thoracique. À cela s'ajoutent ces douleurs des dysfonctionnements de différents organes. Donc ça peut être des dysfonctionnements de l'organe génital féminin avec des troubles du cycle menstruel. On va avoir soit des règles trop abondantes, on va parler de ménorragie, ou bien des saignements en dehors des règles. Là, ce sera des métroragies. L'infertilité, comme on disait tout à l'heure, ou alors des troubles digestifs, à savoir avec des ballonnements, alternance, diarrhée, constipation. Les patientes peuvent ressentir comme la sensation d'avoir envie d'aller à la selle et finalement, elles n'ont pas de besoin, ou bien encore la présence de sang dans les selles. Il peut y avoir une dysfonction des voies urinaires avec des difficultés pour faire pipi, besoin de pousser très fort ou avoir l'impression de ne pas avoir vidé complètement sa vessie. On parle de dysurie. Il peut y avoir encore des besoins impérieux, des sensations d'avoir envie d'uriner de façon plus fréquente. C'est la polacurie. Ou encore, il y a certaines patientes qui, pendant les règles, ne vont pas réussir à contenir leurs urines. On va parler d'incontinence. Et enfin, pour les patientes qui ont de l'endométriose au niveau du thorax, elles peuvent faire ce qu'on appelle des pneumothorax, c'est-à-dire la présence d'air entre le poumon et la cavité thoracique qui sera responsable de douleurs assez violentes. Face à ces symptômes, les professionnels de santé, nous, on va essayer de caractériser un petit peu plus et surtout d'évaluer le retentissement de ces symptômes dans la vie des patientes. Donc, tout d'abord, on va évaluer l'intensité des douleurs grâce à des échelles d'évaluation qui vont nous permettre un petit peu de voir à quel point la patiente a mal, parce que les patientes ne seront pas toutes au même piédestal sur l'intensité des douleurs. On va également rechercher une chronicité et le retentissement en s'appuyant de l'aide de d'autres professionnels, à savoir des spécialistes de la douleur, des psychologues et des sexologues. Mais vraiment, ce qui est primordial, ça va être d'évaluer le retentissement sur la qualité de vie de la patiente. Donc, on va s'aider de questionnaires. On va rechercher si ces douleurs sont responsables d'un absentéisme professionnel, d'un isolement social ou bien même d'un retentissement dans la vie de couple. Par contre,
si des patientes ont des douleurs de règles isolées et qui sont bien contrôlées par une contraception, ce n'est pas primordial de s'obstiner à rechercher une endométriose. Sinon, ça va être source d'angoisse pour les patientes. Et tout de suite, on va les amener dans un schéma qui ne sera pas forcément confortable pour elles, pour la vie, pour la suite, alors que finalement, juste avec une pilule, on peut résoudre déjà leurs problèmes de douleur. Toute patiente devra avoir un examen minutieux, gynécologique et digestif orienté. Il faut les préparer à ça, parce que c'est vrai que parfois, il y a des patientes qui vont arriver en consultation qui ne vont pas s'attendre à ce qu'on l'examine autant, alors que si, il faut, parce que les examens radiologiques, forcément, vont nous donner des indices sur la pathologie, mais il faut aussi que nous, cliniquement, on arrive à percevoir les lésions. Donc, pour ça, on va rechercher, déjà, regarder l'abdomen, rechercher une distension. Il peut y avoir aussi des nodules d'endométriose au niveau du nombril. Ça va se manifester par une tuméfaction douloureuse qui peut saigner pendant les règles. Il y a des patientes qui viennent avec des saignements au niveau du nombril. Des fois, elles viennent en se disant qu'elles sont folles, alors que pas du tout. Ensuite, on va faire un examen gynécologique orienté. Avec le spéculum, on va rechercher des lésions bleutées au niveau du vagin, qui peuvent être des lésions d'endométriose. On va faire le toucher vaginal à la recherche de nodules dans les cloisons, dans les espaces entre la vessie et le vagin, et en arrière, entre le rectum et le vagin. Et du coup, il faudra aussi faire le toucher rectal pour bien analyser ces nodules, parce que pour nous, chirurgiens, ça peut nous aider pour la prise en charge. Selon comment on va sentir le nodule, il y aura plus ou moins si on doit opérer une résection digestive. Donc pour nous, c'est vraiment très important cet examen physique. Les examens paracliniques, je vais juste noter brièvement, parce qu'après j'ai mes collègues qui vont vous présenter, mais en gros, ça sera une échographie pelvienne, une IRM pelvienne, et aussi on fait un dosage du CA125. Alors, le CA125, c'est à la base un marqueur tumoral qui est prélevé pour les cancers de l'ovaire, sauf qu'on s'est aperçu qu'il pouvait être également augmenté dans l'endométriose. Donc nous, ça peut nous aider aussi, en tout cas pour la démarche diagnostique. Donc, en gros, pour la prise en charge, voilà, pour les patientes qui ont des signes évocateurs d'endométriose non soulagés par une contraception, on va faire les examens à la recherche d'endométriose. Donc, d'abord, l'échographie pelvienne qui va nous permettre déjà de pouvoir établir une orientation diagnostique et ensuite voir si on doit aller vers une IRM pelvienne. Là, je reprends très brièvement parce que mes collègues vont le faire juste après, mais en gros, voilà. L'IRM pelvienne va nous permettre de voir est-ce qu'il y a des endométrioses, c'est-à-dire des atteintes de l'ovaire de plus ou moins 4 cm et du coup nous orienter sur la prise en charge ou alors une endométriose pelvienne profonde ou bien finalement on reste sans diagnostic et à ce compte-là, une célioscopie peut être indiquée. Donc, dans l'actualité diagnostique, ces derniers mois, on a vu de nombreuses applications voir le jour. Ces applications permettent aux patients d'évaluer leur probabilité d'endométriose et ainsi de diminuer les délais diagnostiques, mais aussi de constituer un dossier patient complet à destination des professionnels et optimiser ainsi leur parcours de soins. Ces plateformes, elles sont bien parce qu'elles sont également très riches d'informations pour les patientes qui va permettre de les aider à mieux gérer leur pathologie. Par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les probabilités de diagnostic d'endométriose, elles sont bien, mais ça ne veut pas dire quand on voit sur l'application qu'on a de l'endométriose que c'est vrai, parce que c'est vrai que les questionnaires sont très orientés et que les patientes vont avoir tendance un petit peu à rentrer dans l'intensification de leurs symptômes. Et parfois, non, il faut vraiment par la suite qu'il y ait un bon interrogatoire avec les médecins. Ces applications ne suffisent pas, mais elles aident. Alors dernièrement aussi, il y a eu ce test salivaire qui a été sorti. C'est un test salivaire a priori qui pourrait être réalisé à domicile, qui repose en fait sur un séquençage des micro-ARN présent dans la salive et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est l'équipe de Tenon à Paris qui a réalisé ce test. Alors, sauf que quand on regarde un petit peu plus près, en fait, c'est un test qui a été testé sur seulement 200 patientes. Donc, c'est vraiment un petit panel. Donc, 47 qui n'avaient pas d'endométriose et toutes n'ont pas eu les mêmes examens pour savoir si les autres avaient une endométriose ou pas. Il y en a qui ont eu une célioscopie qui ont permis de faire un diagnostic histologique, alors que d'autres, c'est seulement sur l'IRM. Et du coup, je pense que c'est un petit peu tôt pour dire que ce test est fiable et qui peut être mis sur le marché. Donc, on verra si, peut-être s'il est retesté sur une plus large population, on pourra dire qu'il est fiable, mais pour l'instant, il faut quand même le prendre avec des pincettes.
Par contre, autre actualité diagnostique, c'est cette étude qui a été publiée début février dans le Lancet par une équipe française, hein, l'équipe du docteur Chaperon. Et en fait, c'est une étude cas témoin qui a été menée sur une large population. On voit, il y a 1195 patientes atteintes d'endométriose et 1330 patientes témoins, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'endométriose. Et ils ont réussi à faire un test diagnostique où on voit que plus le score augmente, plus la probabilité d'endométriose est élevée. Et c'est un test qui a montré ses preuves autant en le comparant avec d'autres tests et qui pourrait être très intéressant. Mais là, c'est vrai que ça a été publié en février dernier, donc c'est encore un peu précoce, mais j'ai hâte de voir ce test. Qu'est-ce qu'il en est dans l'actualité thérapeutique? Malheureusement, il n'y a pas vraiment de nouveautés, que ce soit dans les sociétés savantes françaises, mais aussi canadiennes, américaines ou nordiques. Hein, depuis 2018, il n'y a pas eu d'évolution sur les traitements et on garde les recommandations de l'HAS. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque patiente, il faut que la prise en charge que sa prise en charge soit vraiment une stratégie avec un plan de soins personnalisé qui sera en fonction des symptômes de la patiente, en fonction de ses lésions, mais aussi de ses souhaits, de ses antécédents et de son mode de vie. Cette prise en charge devra être également globale, avec prise en compte de la sphère médicale, mais aussi psychologique, sociale, professionnelle et aussi conjugale. Et enfin, il faut que ça soit un plan de suivi sur du long terme. L'endométriose, c'est une pathologie chronique. Il faut donc que ça soit une stratégie où on ne voit pas l'instant présent, mais sur le long terme pour toute la vie de la patiente. Les recommandations thérapeutiques, c'est il faut un traitement hormonal. En première intention, ça peut être une pilule œstroprogestative en continu, hein, il y en a plusieurs. S'il y en a une qui ne convient pas à la patiente, il ne faut pas hésiter à changer. On a un grand arsenal thérapeutique pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs patientes qui viennent en disant « non, je ne supporte pas la pilule ». Il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à changer parce que c'est pas pour, parce qu'il y en a une qui ne fonctionne pas, que les autres ne vont pas fonctionner. Donc, en première intention, on va mettre en place une pilule œstroprogestative en continu. Le but, c'est de ne plus avoir de règles, de ne pas avoir du tout de variation hormonale pour que le tissu endométrial ne se développe pas et ne fasse pas d'inflammation. On peut également mettre le Mirena, le stérilé, en première intention. Si ça ne suffit pas, ou en tout cas, si la patiente reste symptomatique, on peut avoir en deuxième intention les progestatifs, le Visane, ou bien encore l'implanon ou le décapeptyle en association avec une ADBAC-thérapie pour éviter les symptômes liés à la ménopause artificielle. À ce traitement hormonal, bien sûr, on va associer des traitements antalgiques avec surtout des anti-inflammatoires. Et à cela, on peut ajouter bien sûr des médecines parallèles, hein, comme l'acupuncture, la sophrologie, qui, je pense, peuvent largement aider aussi les patientes parce qu'il n'y a pas que les médicaments. Pour ce qui est de la chirurgie, elle va être indiquée quand il y a un échec des traitements médicaux ou alors une contre-indication aux traitements hormonaux, quand il persiste un doute diagnostique, notamment sur une masse annexielle, hein, quand on ne sait pas réellement si c'est un endométriome ou une autre lésion, ou bien encore quand les lésions d'endométriose vont être responsables d'une obstruction au niveau digestif ou des voies urinaires. Là, on sait que les traitements médicaux ne vont pas suffire et qu'il va falloir intervenir. Cette chirurgie, elle peut se faire soit par célioscopie, hein, c'est les petits trous, on insuffle du gaz dans le ventre, on met une caméra et avec nos pinces, on va tenter de le réséquer les lésions d'endométriose. Elle peut aussi se faire par robot et on a la chance au CHU de Martinique d'avoir cette technologie qui nous permet de voir encore mieux les lésions et de préserver aussi au maximum les nerfs. La chirurgie, elle va consister soit à libérer certains organes, comme là, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, là, il y a des adhérences entre le tube digestif et l'ovaire. Et du coup, on va essayer de libérer le tube digestif, voilà, de l'ovaire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait ces adhérences. Voilà. Ou alors, ça peut être tout simplement aussi une résection de lésion. Là, on voit un nodule d'endométriose
qui est bleutée, qui est à la surface du péritoine. Et là, pour le coup, il suffit d'aller réséquer ce nodule à l'aide d'instruments d'énergie qui nous permettent de réséquer sans faire saigner. Dans la chirurgie d'endométriose, on peut être aussi amené à réséquer des organes, à savoir l'utérus. Ça peut être aussi des cystectomies partielles quand on doit aller enlever un nodule au niveau de la vessie ou encore réséquer une partie du rectum ou de l'intestin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie chirurgicale dépendra bien sûr des lésions observées sous les imageries et lors de l'examen physique et lors de la cœlioscopie, parce qu'il y a des lésions qu'on ne voit pas forcément à l'IRM, qu'on va se rendre compte que pendant l'intervention, mais surtout, là, cette stratégie dépendra des objectifs de la patiente. C'est une chirurgie à risque, ça on le sait, qui peut être très morbide. Les risques, c'est de ne pas pouvoir continuer la chirurgie à l'aide de la cœlioscopie ou du robot. Et du coup, on peut être amené à ouvrir, à faire ce qu'on appelle une laparotomie. Donc, il peut y avoir une cicatrice beaucoup plus conséquente. Il peut y avoir, bien sûr, comme toute chirurgie, à partir du moment où on rentre dans le ventre, des saignements ou des infections, mais aussi des plaies viscérales. Une diminution de la fonction ovarienne, ça c'est lorsqu'il y a des lésions de l'ovaire où il faut enlever le kyste. Et à chaque fois qu'on enlève le kyste, c'est vrai qu'on peut abîmer le parenchyme de l'ovaire et diminuer leur fonction. Il peut y avoir des troubles de la fonction urinaire avec par la suite des nécessités d'autosondage. Parce que quand on a des lésions d'endométriose sur la face postérieure, notamment de l'utérus, c'est là où passent les nerfs, le plexus nerveux qui innerve la vessie et du coup ces nerfs peuvent être atteints et dans les suites il peut y avoir des difficultés pour uriner et avec nécessité de faire des autosondages. Les autres risques, ça peut être des fistules, c'est-à-dire que quand on fait une cicatrice au niveau du vagin et du tube digestif, il peut se former une fistule, un trajet de communication anormal entre ces deux organes. Et dans ce cas-là, soit on prévient en amont ce genre de complications par une stomie, soit il faut reprendre et faire une stomie. Donc ça, il faut le savoir, c'est une chirurgie qui est très à risque pour ça. Il peut y avoir également, à la suite des chirurgies, des adhérences. Ce sont comme des cordes qui se tendent dans le ventre, et à terme, il peut y avoir ce qu'on appelle des occlusions sur bride, c'est-à-dire que l'intestin peut aller s'enrouler autour de ces cordes et se coincer. Enfin, l'autre risque, c'est la récidive. Oui, la chirurgie permet d'enlever les lésions, mais tant qu'on ne comprendra pas pourquoi l'endométriose existe et surtout comment elle se forme, eh bien, on n'arrive pas à contrôler ce facteur et du coup, il peut y avoir des récidives. Donc, il faut savoir qu'en post-opératoire, il faudra poursuivre un traitement hormonal pendant au moins 6 mois pour diminuer ce risque de récidive. Voilà pour ce qui est de l'actualité en endométriose. Je vais maintenant vous présenter le parcours de soins endométriose en Martinique. Alors, il existe 3 filières pour avoir une consultation endométriose à la MFME, soit la filière urgence, la filière médecine de ville ou encore les nouvelles applications, nous on a pris en Endoziwig. La filière urgence, eh bien, c'est pour des patientes qui soit connaissent déjà leur diagnostic d'endométriose, mais qui ne sont pas bien équilibrées, ou soit chez qui elles n'ont pas été encore diagnostiquées. Donc, ce sont des patientes qui vont consulter aux urgences pour des douleurs pelviennes, ou bien encore des règles très abondantes, ou des saignements en dehors des règles. Donc, ces patientes aux urgences, elles vont être interrogées, examinées, elles vont bénéficier d'une échographie. Et de là, si on suspecte une endométriose, on va les diriger vers l'IRM et ensuite à une consultation chez nous. Moi, pour ma consultation, ça représente ce genre de patientes qui sont passées par les urgences environ 15%. Sinon, il y a la filière médecine de ville. Ça, c'est pour des patientes qui sont déjà suivies en ville par soit leur médecin traitant, soit par leur gynécologue. Et ces derniers vont les adresser à la MFME, soit parce qu'il y a un échec thérapeutique, c'est-à-dire que les patientes sont toujours douloureuses ou ont d'autres symptômes malgré les traitements médicaux qui ont été mis en place, ou bien parce que ce sont des patientes chez qui on a découvert un endométriome, c'est-à-dire une lésion d'endométriose au niveau de l'ovaire, de plus de 4 cm ou symptomatique, car là, on le sait, il y a une indication de chirurgie. Ou encore des patientes qui présentent une infertilité ou un doute diagnostique. Dans ce cas-là, les médecins, bien sûr, vont nous les adresser. Et ça, c'est vrai que ça représente à peu près 60% de nos consultations à la MFME.
Enfin, dernière filière, le dossier EndosiWeek. Les patientes s'inscrivent sur EndosiWeek, constituent leur dossier patient, c'est très complet, c'est vraiment très bien fait, et après peuvent nous mettre en tant que médecin référent. Et du coup, moi, je reçois toute une liste des patientes, et dans ce cas-là, je consulte leur dossier. Et si je pense qu'effectivement, elles relèvent d'une prise en charge spécialisée en endométriose, on va leur proposer une consultation, ou si on pense que c'est autre chose, bah, dans ce cas-là, on va les orienter vers le bon spécialiste. Et pour ces patientes, ça représente environ 25% de nos consultations. Pour toutes les patientes qu'on reçoit en consultation à la MFME pour endométriose, on va récupérer leurs imageries, on va les mettre en relecture par les radiologues de la MFME pour ensuite pouvoir présenter leur dossier en RCP endométriose et ainsi proposer le meilleur traitement pour eux. Ensuite, soit on pourra continuer à les prendre en charge à la MFME si elles relèvent vraiment d'une prise en charge spécialisée avec une chirurgie. Sinon, le suivi peut très bien être fait en ville par leur médecin traitant ou leur gynécologue. Et enfin, je vais vous présenter la prise en charge d'endométriose au CHU. Qu'est-ce qu'il en est pour notre centre ? Alors déjà, voilà un peu notre équipe. Hein. Donc, elle est composée du docteur Mehdi Jean-Laurent, du docteur Sarah Alice et de moi-même. Nous sommes trois chirurgiens, dont moi qui suis viscérale. En fait, j'ai plutôt une formation de chirurgien digestif et je me suis surspécialisée à la chirurgie gynécologique pour pouvoir opérer les endométrioses parce que très souvent, il y a des résections digestives et du coup, c'est pour ça que j'ai intégré l'équipe. Il y a bien sûr des gynécologues médicaux aussi qui nous aident pour les patientes, pour des suivis et des patientes qui ne relèvent pas de la chirurgie. Pour ce qui est de l'imagerie à la Ménard, enfin en tout cas à la MFME, on a docteur Clara Adonné, docteur Catherine Lombard et docteur Tiffaine Cassan qui s'occupent de réaliser les IRM et docteur Michel Gaineret qui s'occupe de réaliser les échographies. Nous avons également dans l'équipe une psychologue, madame Rachel Ferrer, et notre secrétaire qui s'occupe beaucoup des endométrioses, madame Jessica Bivard. Alors, quelques dates. Nous, la première chirurgie d'endométriose a été réalisée à la MFME le 14 décembre 2020. On a mis en place la première RCP endométriose le 1er juin 2021. On a réalisé la première chirurgie d'endométriose au robot le 9 juin 2021. Et on a mis en place une collaboration avec la PMA de Guadeloupe, parce que malheureusement, nous n'avons pas de PMA au CHU de Martinique, le 9 novembre 2021. Donc c'est vrai qu'on est assez contente déjà de ce parcours, de ce début, mais tout ça a été largement freiné avec l'actualité Covid. Hein. On n'a pas pu développer autant qu'on l'aurait espéré, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de chirurgies annulées, et après, ils voulaient surtout qu'on fasse de la chirurgie dans le cancérologique, donc c'est vrai que l'endométriose a été un petit peu mise sur le côté. Mais on a continué à se battre pour développer cette partie-là à la MFME, et on va continuer. La RCP endométriose, en fait, c'est une réunion pluridisciplinaire qui réunit à la fois des chirurgiens, des gynécologues médicaux, des radiologues et des experts de la PMA. En fait, c'est une réunion qui s'est calquée un petit peu sur les réunions cancérologiques où on va discuter de tous les nouveaux dossiers dans l'endométriose. Elle se passe une fois par mois et l'objectif, c'est vraiment de proposer la meilleure prise en charge à la patiente. Alors, quelques chiffres. Donc, depuis qu'on a débuté l'activité d'endométriose à la MFME avec la chirurgie et la RCP, on a présenté 105 patientes en RCP depuis sa mise en place. On a opéré 34 patientes depuis décembre 2020. Nos chiffres, alors on a eu deux complications. Bon, il y a une patiente qui avait une stomie et qui, en fait, dans sa stomie, a présenté un hyper débit. Du coup, elle s'était déshydratée. Donc, elle est revenue dans notre centre. Et après réhydratation, ça s'est très bien passé. Hein, ça a été vraiment une complication aiguë qui a été très rapidement prise en charge. Et l'autre complication qu'on a eue, malheureusement, c'est liée à une malposition sur la table opératoire avec une compression nerveuse, là aussi, qui a pu être prise en charge. Mais sinon, c'est vrai qu'on a de la chance pour le moment, il n'y a pas eu de fistule ni de reprise chirurgicale. Et parmi les patientes qu'on a présentées en RCP et depuis la collaboration avec la PMA de Guadeloupe, 8 patientes ont été orientées pour infertilité. À l'heure actuelle, aux urgences de la MFME, il y a à peu près 2 consultations par semaine pour des douleurs pelviennes en rapport avec l'endométriose ou en tout cas suspectes.
Il y a par mois 2 patientes qui nécessitent une hospitalisation pour mettre en place un traitement à visée antalgique. L'objectif, bien sûr, ça va être d'atteindre 0 patiente, parce que ça veut dire que tant qu'il y aura des patientes aux urgences, ce sont des patientes qui ne sont pas, soit pas prises en charge ou alors pas équilibrées. Comment atteindre cet objectif? Eh bien, ça va être de faire des campagnes de communication comme ce soir, car l'endométriose, c'est une pathologie chronique, et comme pour toutes les pathologies chroniques, c'est vrai que les patients doivent être informés, doivent comprendre leur pathologie pour mieux la gérer. Sensibiliser la médecine scolaire, sensibiliser la médecine du travail, ça c'est vraiment pour éviter l'absentéisme, pouvoir aménager un petit peu les horaires ou bien pour aider les patientes dans leur travail. Je pense que ça va être important vraiment pour ça de mener une sensibilisation à ce niveau. Former bien sûr les médecins en ville, établir un réseau ville MFME pour ce qui est de l'endométriose, et aussi établir un réseau médico-social, intégrer les assistantes sociales dans la prise en charge de l'endométriose, parce que il faut que ce soit une prise en charge globale, et c'est comme ça qu'on va pouvoir de mieux équilibrer les patientes et d'éviter des consultations aux urgences. Dans l'avenir, nous, on a beaucoup de projets pour l'endométriose en Martinique, hein, essayer de réduire au maximum les délais de diagnostic. On aimerait obtenir, comme pour la RCP cancérologique, une RCP endométriose régionale avec une secrétaire dédiée pour permettre de mieux répondre aux patientes, mais aussi bien articuler le réseau endométriose ville et MFME. Développer un centre de PMA et un SECOS au CHU. Pouvoir collaborer avec un centre de gestion de la douleur, parce que c'est vrai qu'au sein du CHU, on a quelques difficultés. Permettre aussi un accès plus facile aux patientes aux médecines parallèles. Nous aussi, on aimerait créer un poste de stomathérapeute au CHU, parce que c'est vrai que l'endométriose, c'est des chirurgies pour lesquelles on peut être amené à faire des stomies. Et il faut aider les patientes avec des infirmières dédiées à ça pour mieux accepter cette poche et mieux la gérer. Et enfin aussi, on espère pouvoir mettre des projets d'études d'endométriose en Martinique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Chevalier, pour cette présentation. À titre d'information, vous pouvez mettre vos questions sur le chat et on répondra après les différentes interventions. Donc maintenant, je laisse la place à docteur Zuiten pour la place de l'échographie dans l'endométriose. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, voilà, je suis docteur Zuiten, je suis échographiste et je fais beaucoup d'échographies d'endométriose. Donc, je vais essayer de faire un topo assez simple, donc accessible. Au début, je pensais qu'il y avait un public de médecins et un public de patientes, mais vous allez voir, même pour les patientes, je vais simplifier au maximum. Alors, tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc, pour expliquer des choses, on est obligé de simplifier au maximum, ce qui peut créer quelques approximations, mais ça va faciliter la compréhension. L'échographie, elle peut se faire de deux manières, soit par voie abdominale, donc externe. Donc, l'échographie, c'est une caméra ultrason qui a un secteur qui ne voit que devant donc le secteur qui est plus ou moins large. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important cette histoire de secteur. Et par voie endovaginale. Et la voie endovaginale, bien sûr, chez une patiente qui est vierge, vous êtes limité, vous ne pouvez vous contacter que la voie abdominale. Et ce qui va diminuer donc un petit peu la performance du diagnostic à l'écho. Alors, pour faire simple, il faut comprendre quelques petits rappels anatomiques, sinon vous n'allez pas comprendre vos images d'échographie. La flèche, elle ne marche pas. Alors là, vous avez un petit schéma très simple, genre d'orale exploratrice, donc vous voyez, assez grossier, mais assez facile à comprendre. Vous avez les organes que l'on voit, la vessie, c'est en jaune, ça représente le secteur antérieur. Le secteur génital, l'utérus avec le vagin, et vous voyez que vous avez une cloison entre le vagin et le compartiment urinaire, et vous avez une cloison entre le vagin et le rectum qui est en vert. Le secteur postérieur, donc c'est
le sigmoïde, donc le gros intestin et le rectum. Et la partie bleue, vous voyez une petite ligne bleue qui enveloppe tout ça, c'est le péritoine. Et vous voyez que vous avez deux petits doigts de gants, un devant, un derrière, dans lequel ces cellules d'endométriose, si jamais elles s'échappent de l'utérus, peuvent s'agglutiner. Si vous regardez le secteur donc génital, quand on fait l'échographie c'est dynamique. Donc vous voyez l'image bouger et avec une main, la main droite qui tient la sonde, la main gauche se met sur le ventre pour mobiliser l'utérus, pour voir si l'utérus glisse facilement donc par rapport aux autres organes. Et je vais vous montrer après deux vidéos, vous allez comprendre. Sur les schémas de droite qui sont un peu plus compliqués, donc quand on n'est pas médecin, vous avez deux petits éléments anatomiques qui sont intéressants. C'est deux ligaments, vous voyez, qui partent de l'arrière de l'utérus, qui vont vers le sacrum. Là, c'est sûr que l'IRM elle est plus performante, même à l'échographie, si on regarde bien, on peut voir ces éléments-là. Donc ça, c'est pour mettre en place les différents éléments anatomiques. Et j'ai mis un petit dessin en bas. Il faut, quand on fait de l'échographie de l'endométriose, il faut toujours commencer par les reins pour ne pas oublier donc, les répercussions donc, sur les reins. Si jamais il y a des atteintes qui peuvent toucher les uretères ou la vessie. Un bref rappel, mais c'est plus destiné à des médecins. Grosso modo, à l'échographie, quand on fait l'avantage de faire l'échographie 3D, c'est que vous avez accès à trois plans en même temps, que l'échographie qui n'est pas faite en 3D ne vous permet pas d'avoir accès à ces plans-là. Sur l'image qui est complètement à droite, il y a un plan fondamental en écho-gynéco, c'est le plan frontal, vous voyez, où vous coupez, je ne sais pas si on me voit à l'image, donc vous coupez dans ce sens-là. Quand vous regardez votre échographie, souvent vous voyez des images où vous avez un utérus couché, ça c'est le plan sagittal, et l'autre c'est le plan frontal. Maintenant, vous allez comprendre quelle est la partie dynamique de l'échographie. Vous avez un signe à l'échographie qui est très important dans l'endométriose, qui est le sliding sign, c'est le signe du glissement. Je lance deux vidéos, la vidéo qui est en haut à droite, vous voyez, donc j'ai une sonde qui est endovaginale, ma main est sur le ventre de la patiente. Quand je bouge ma main sur le ventre, vous voyez l'utérus, il glisse par rapport au rectum et il est complètement libre. Sur l'image en bas à gauche, à cause de l'endométriose, donc le petit noyau noir là que vous voyez en bas à gauche, l'utérus est complètement figé, complètement collé par l'endométriose. Donc ça, c'est un élément primordial quand on commence à faire l'échographie. Maintenant, si on change de plan, donc on va étudier, donc vous avez vu que vous avez sur le petit schéma anatomique trois compartiments, un compartiment antérieur où il y a la vessie, un compartiment génital où vous avez l'utérus et les ovaires, et l'autre compartiment, c'est le compartiment donc, postérieur digestif. Là, on s'intéresse au compartiment donc, moyen, donc génital, on va commencer à chercher l'adénomyose. Vous voyez des fois dans vos comptes rendus d'échographie, on dit « Oh docteur, mon médecin il m'a dit que j'avais de l'adénomyose ». L'adénomyose, c'est ni plus ni moins que l'endométriose de l'utérus. Donc vous avez des cellules d'endométriose qui vont s'incruster donc dans le muscle utérin et elles vont donc saigner dans l'utérus et elles vont vous donner les différentes images. Donc je vais vous décrire les différentes images. En haut à gauche, l'image qui est encadrée en jaune, ça c'est un utérus normal en coupe frontale. Vous voyez une image blanche à l'intérieur, ça c'est votre l'endomètre qui est entouré d'un petit liseré hypoéchogène qui est la zone de jonction entre l'endomètre et le myomètre. Toutes les autres images qui sont sur le côté, elles sont pathologiques, donc elles sont avec de l'adénomyose. Si je commence par l'image qui est en bas à gauche, je l'ai emprunté à mon copain Le Vaillant, qui est un des papes de l'échographie de l'endométriose, vous voyez des flamèches, vous voyez, comme des flamèches qui sortent du fond de l'utérus. Donc c'est de l'adénomyose qui est d'une forme striée, et donc ce sont des cellules d'endométriose qui ont fait gonfler l'arrière de l'utérus,
et sous forme de flammèche comme ça. Sur l'image en haut à droite, vous voyez que la zone de jonction, le petit liseré qui est jaune clair là sur l'image normale, il est complètement mité là. Donc vous voyez la zone complètement rongée avec des petits kystes tout autour. La deuxième en bas, vous avez deux formes d'adénomyose. Vous avez une adénomyose focale, c'est-à-dire vous avez comme des petits îlots d'endomètre à l'intérieur du muscle utérin. Donc ces îlots sont de la même échogénicité, donc de la même couleur, vous voyez, que l'endomètre qui est jaune au milieu, et vous avez ces petites boules jaunes sur le côté. Et pareil, le fond de l'utérus, vous voyez toutes ces flammèches qui partent vers le haut. Celle de droite, c'est pareil aussi. Celle en haut à droite est plus subtile parce que vous avez une petite adénomyose qui est focale au niveau d'une corne de l'utérus. Vous voyez les deux cornes de l'utérus, vous avez un petit Y et avec cette petite tache au bout de la corne. On peut voir la même chose sur le plan sagittal, mais d'autres éléments sémiologiques. Un utérus normal, quand vous le voyez comme ça sur une coupe sagittale, c'est-à-dire une coupe au milieu, il a une forme régulière et l'épaisseur de la partie avant et l'épaisseur de la partie arrière est identique. Ça, c'est comme dans l'image qui est encadrée en jaune. Si vous allez sur l'image qui est juste à côté à droite, vous voyez que vous avez une partie qui est très gonflée, qui a de l'adénomyose, et une partie devant qui est toute mince. Si vous allez sur l'image qui est à droite, vous allez avoir quelques petits kystes, vous voyez, au niveau de la ligne qui est du milieu de l'utérus, donc c'est la ligne qu'on appelle la ligne de vacuité. En bas à droite, vous avez des formes de kystes qui sont beaucoup plus nombreux, et les deux images de gauche sont intéressantes à connaître, parce que des fois sur vos comptes rendus, vous allez pouvoir lire... Le docteur, il m'a dit que j'ai un adénomyome. C'est pas un fibrome, mais c'est un amas, si vous voulez, d'endométriose qui est focalisé, si vous voulez, et qui ressemble à un fibrome, mais c'est pas un fibrome. Et cet amas-là peut se liquéfier, et c'est l'image du milieu. Vous voyez, vous avez une zone noire, une zone un peu plus contrastée qui est blanc, qui est jaune foncé, et c'est des formes d'adénomyose. Maintenant, si on s'intéresse au compartiment antérieur, donc la partie devant, donc entre la vessie qui est en jaune, l'utérus qui est en gris et le vagin qui est en rose. L'endométriose, vous voyez le petit doigt de gant là, je vous ai dit que le péritoine il faisait comme des petits doigts, une membrane qui recouvre ces organes-là, et les cellules, elles vont donc tomber dans ce doigt de gant. Donc, ce que l'on cherche quand on fait l'examen, il faut toujours faire l'examen à vessie pleine pour pouvoir voir s'il n'y a pas des lésions dans ce petit récessus entre l'utérus et la vessie. Là, avec les flèches blanches, vous voyez trois petites zones noires qui n'ont rien à faire sur l'échographie, qui sont entre l'utérus et la vessie. Et on regarde toujours les reins, c'est pour ça que j'ai mis le petit dessin sur les reins. Si je continue... Ces lésions donc urinaires, elles peuvent rentrer carrément dans la vessie, comme ces trois images-là. Ça, c'est des patientes qui sont venues consulter parce qu'elles pissaient du sang. Donc, à chaque approche des règles, dans leur pipi, elles avaient des traces de sang. Maintenant, l'autre jour, en discutant avec Madame Kouf, elle m'a dit pourquoi on ne voit pas chez les patientes vierges comme on peut faire, un truc comme ça. Même chez des patientes vierges, donc où on est limité que par la voie abdominale, ces lésions antérieures sont accessibles à l'échographie à condition d'avoir la vessie assez pleine. Vous voyez là les petites zones donc de lésions d'endométriose qui sont sous la vessie, entre la vessie et l'utérus, désignées par la flèche blanche. Et l'image en bas en jaune, on va le voir tout à l'heure, la patiente, c'était une jeune fille qui était vierge, elle avait à la fois de l'endométriose dans le compartiment antérieur, mais dans le compartiment postérieur aussi, puisque derrière l'utérus sur l'image qui est en jaune, on voit une petite bande noire où elle avait aussi de l'endométriose.
Maintenant, on a vu, vous voyez, le compartiment du milieu, c'est le compartiment génital. On a vu ce qui se passait dans le compartiment antérieur qui était jaune urinaire. Maintenant, on va aller dans le compartiment postérieur, donc qui s'intéresse donc au gros intestin, au rectum et la cloison donc entre l'utérus et le vagin et entre le gros côlon, le sigmoïde et l'utérus. Là, vous avez trois nodules qui sont rétractiles. Vous voyez, ça fait comme un crabe qui pénètre à l'intérieur de l'intestin. Mais comme l'intestin et le rectum est plein de matière, on a du mal à voir quelle est la profondeur de ce nodule jusqu'où il va. Il y a une technique qu'on essaye de développer avec ma collègue, docteur Charpentier, qui est gynécologue-obstétricienne. On a commencé ça depuis 15 jours. Donc, au niveau de l'utérus, donc on fait toujours l'échographie endovaginale à côté de la sonde d'échographie. Et vous avez vu, là, comme je vous ai dit, la sonde d'échographie ne regarde que un secteur très limité, toujours devant. Donc, la personne qui rend une des raisons pourquoi des patientes qui ont fait des échographies, on leur dit, vous avez une échographie parfaitement normale. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas retiré la sonde et n'a pas orienté la sonde au bon endroit pour voir exactement la zone qui est douloureuse. Et il faut savoir écouter la patiente et écouter le gynécologue de la patiente qui vous dit, j'ai examiné la patiente, j'ai touché un nodule au niveau de la paroi recto-vaginale ou au niveau du cul-de-sac ou un truc comme ça. Il faut que tu me trouves ce nodule. Et la patiente, elle vous dit, quand vous rentrez délicatement la sonde, aïe, c'est cet endroit-là qui fait mal. Donc, pour faire ces rectosonographies, donc on rentre donc une sonde d'échographie avec à côté un tout petit cathéter, c'est des petits cathéters d'aspiration bronchique qu'on met dans le nez des nouveau-nés à la naissance. On injecte du sérum physiologique dans le vagin et préalablement, la patiente, on lui demande de faire un lavement la veille avec du normacol et le jour de l'examen. Et le jour de l'examen, comme le rectum sera vide, on monte une petite sonde à l'intérieur du rectum et on remplit le rectum avec de l'eau du robinet. Hein, donc, pas besoin de sérum physiologique. Hein. Et là, quand vous distendez le rectum avec douceur et avec délicatesse, vous pouvez voir sur l'image en haut, c'est la lésion qui est bien limitée, c'est la lésion noire là, et qui ne passe pas la muqueuse, qui ne dépasse pas la muqueuse de l'intestin. Et on peut même mesurer en longueur. Quelle est sa taille? Et on pourrait même, à l'avenir, puisque les sondes, à l'échographie, on arrivera à voir le bout de la sonde qui est dans le rectum. Si cette sonde-là, elle est graduée, on pourrait savoir à combien de centimètres, vous voyez, de l'anus se trouve cette lésion. Je pense que c'est quelque chose à développer qui est intéressant. Et en bas, je vous montre l'image, donc. Quand on injecte du sérum, là on injecte du sérum physiologique dans le vagin, même si le vagin n'est pas stérile, on préfère injecter du sérum physiologique. Vous voyez, la grosse boule noire, c'est la vessie, la petite boule grise, c'est le vagin, et entre les deux, vous voyez une cloison très nette. Donc si jamais il y avait une suspicion d'un nodule dans cette cloison, on le verrait très très bien comme ça. Voilà une autre patiente, pareil, même technique. Vous voyez, la lésion était très très longue et on la voyait très très bien. Maintenant, on a vu tout à l'heure les lésions donc du compartiment génital, mais on a vu que la partie sagittale, c'est-à-dire la partie du milieu. Si vous regardez donc sur les côtés, vous allez voir sur le plan sagittal, vous pouvez voir ces fameux ligaments utérosacrés qui se voient mieux à l'IRM et sur le petit schéma en haut à droite, vous voyez ces ligaments qui partent en arrière et à l'échographie, c'est la petite boule qui pendouille juste sous la partie noire. Maintenant, au niveau des ovaires,
On peut aussi, bien sûr, c'est très facile à voir, vous avez les endométriums qui sont caractéristiques à l'échographie, qui ont, on dit qu'ils ont vert des polypes parce qu'ils sont, ils sont d'une couleur gris plus ou moins uniforme. Quelquefois, donc, ces endométriums ils peuvent être bilatéraux et vous avez un signe qui est assez connu, l'endométriose, mais dont le terme est peut-être inapproprié pour de l'endométriose, une maladie douloureuse et tout, et c'est les kissing ovaries, c'est-à-dire que les ovaires se font des bisous derrière l'utérus, alors que normalement, les ovaires sont de chaque côté de l'utérus. Vous pouvez avoir l'endométriose un peu partout, comme l'a décrit notre chirurgien, donc docteur Chevalier. Donc au niveau du nombril, vous voyez un nodule bleuté au niveau du nombril. Quand vous mettez la sonde, vous voyez ce nodule très très, très bien. Vous pouvez avoir aussi de l'ascite, donc du liquide dans la cavité abdominale avec de l'endométriose, comme chez cette patiente. Et si l'endométriose elle touche donc les uretères, donc l'abouchement des uretères, ça va dilater les reins. Et c'est pour ça que certaines patientes, souvent, chez les urologues, leur mettent des sondes double J, donc des sondes pour faciliter l'évacuation de l'urine à partir des reins. Voilà tout ce que l'on peut voir à l'échographie d'une manière assez brève. Merci. Et je passe la parole à ma collègue Aurélie Marlin, la papesse de l'IRM pour l'endométriose. Donc, merci Khalil qui vous a fait une parfaite revue générale de l'anatomie et des performances de l'échographie. Je vais vous parler à présent de l'IRM. Je suis radiologue spécialisée en imagerie de la femme et membre de la Société d'imagerie de la femme. Et j'exerce en IRM à Fort-de-France et à Trinité. Donc, l'endométriose est une pathologie qui nécessite une reconnaissance pour les patientes et par le corps médical, comme on l'a vu, et une prise en charge de la maladie à la fois thérapeutique et administrative. L'IRM est un des pivots du projet thérapeutique pour discuter ce projet thérapeutique immédiat et au cours de la vie, qu'il y ait ou non un projet de grossesse, et elle permet notamment la discussion multidisciplinaire avec tous les spécialistes qui prennent en charge cette maladie, gynécologues, urologues, chirurgiens digestifs comme docteur Chevalier, les médecins biologistes ou de la PMA et d'autres spécialistes. Donc, comme on l'a vu, l'IRM n'est pas un examen de première intention dans l'endométriose. Hein, c'est l'échographie, l'examen, surtout l'interrogatoire, l'examen clinique précis qui détaille les extensions de la maladie. L'échographie pelvienne, si possible entre des mains expertes pour éviter des faux négatifs. Et l'IRM intervient en deuxième recours, comme le précise l'HAS dans ses recommandations de 2017. En effet, cette IRM sera réservée à un certain nombre de patientes. Je vais vous lister ces situations durant la mise au point technique. Donc, les patientes pour lesquelles un diagnostic d'endométriose est posé sur la clinique, mais qui résiste à un traitement, une contraception hormonale bien conduite, qui montre sa non-efficacité. Elle est également proposée lorsqu'il y a un projet de grossesse, une infertilité. Elle est proposée lorsque l'échographie s'avérerait négative alors que la suspicion clinique est forte. Et elle est également proposée comme l'échographie experte lorsqu'une masse ovarienne est indéterminée à l'échographie et éventuellement suspecte pour parfaire sa caractérisation. Alors, cette IRM en deuxième ligne est pratiquée par un ou une radiologue référent pour éviter également de faux négatifs. Et il est important que le clinicien nous précise sa détection clinique afin d'orienter notre regard, puisque je dis toujours qu'on trouve mieux ses clés lorsqu'on sait dans quelle pièce chercher que lorsqu'il faut les chercher dans toute la maison. Alors, qu'est-ce qu'une expertise ? C'est un nombre de patients hebdomadaires vus
suspecte d'endométriose ou réellement atteinte lors des vacations. Et hélas, en Martinique, ce score est largement dépassé vu le nombre de patientes qui nécessitent ce diagnostic ou cette prise en charge. L'expertise est également intégrée à une équipe professionnelle et nous avons la chance d'avoir au CHU l'équipe que vous a présentée le docteur Chevalier et bénéficier d'une formation continue surtout pour améliorer ses pratiques. Un nombre de médecins experts participent à une réunion de concertation multidisciplinaire, mais pas tous. Alors, le docteur Khalil vous a montré des images modernes des localisations d'endométriose. Elles sont excessivement nombreuses. Elles ont été décrites depuis le début du XXe siècle sur le schéma dont je vous fais part. Et il est du ressort des imageurs de scruter chacune de ces localisations afin de découvrir s'il existe des lésions d'endométriose pelvienne et puis au-delà du pelvis, dans l'abdomen, dans le thorax, et puis on l'a vu éventuellement cérébral. Alors le compte-rendu doit être détaillé sur l'utérus. Hein, le docteur Zuiten vous a détaillé l'adénomyose qui intéresse cette patiente notamment, mais également sur les ovaires. Et c'est intéressant de noter la réserve folliculaire, par exemple, lorsqu'il y a un désir de grossesse. Et puis tous ces secteurs que le docteur Khalil Zuiten vous a détaillés. Alors, les performances de l'IRM, je tiens à préciser que l'IRM n'écarte pas un diagnostic d'endométriose lorsqu'elle est négative, puisque les dépôts péritonéaux superficiels ou les dépôts de petite taille ne sont visibles ni en échographie ni en IRM, et le diagnostic est alors fondé sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc les petites lésions ne sont pas vues. Un écueil de l'IRM, c'est également que les séquences dynamiques sont assez pauvres relativement à l'examen échographique qui est fait au plus près de la patiente, alors que l'examen IRM est une vue générale du pelvis. Les performances de l'IRM sont similaires à l'échographie pour le diagnostic d'endométriome, hein, cette poche hémorragique que l'on détecte sur les ovaires. En revanche, sa sensibilité est supérieure pour le panel des radiologues spécialisés pour le diagnostic de l'endométriose profonde, et elle a là toute sa place, puisque l'échographie peut voir des localisations, mais a certaines difficultés dans certains secteurs du pelvis, plus difficilement accessibles, notamment chez ces patientes où les adhérences sont nombreuses. On peut dire que l'IRM a permis de limiter les interventions chirurgicales, notamment cœlioscopiques, purement diagnostiques, par sa grande sensibilité, mais que sa sensibilité n'est pas absolue et que, comme on le disait pour le test EndosiWIG, un diagnostic fondé sur la seule IRM peut parfois être remis en question, notamment lorsque les lésions sont discrètes. Alors, bien entendu, l'IRM, comme l'échographie, fait facilement le bilan ovarien et tubaire pour détecter les endométriomes supérieurs au centimètre et persistants sur l'ensemble des examens, contrairement aux kystes hémorragiques fonctionnels qui peuvent disparaître spontanément après quelques cycles. Et puis, détailler si un kyste est typique d'endométriose ou bien présente des atypies qui nécessiteront une prise en charge particulière. Mais surtout, l'IRM, je l'ai déjà dit, doit détecter les lésions profondes. Alors ici, une image échographique montrait pour un œil avisé une extension postérieure blindant le Douglas et étendue à la paroi digestive. Sur cette ancienne IRM parisienne d'il y a plus de 15 ans, on voyait déjà une forme massive qui fusionne, je suis désolée, il n'y a pas de pointeur, qui fusionne l'utérus en avant et le rectum en arrière, intéressant le torus et l'origine des ligaments utérosacrés. Un spot sur le vagin indiquait une extension vaginale, et ceci est retrouvé sur une coupe sagittale. Alors, ces formes extensives que l'on voyait beaucoup là-bas, on les voit aussi beaucoup en Martinique. Voici un cas d'aujourd'hui où on retrouve cette tache noire rétractile qui occupe l'espace entre l'utérus et le rectum en arrière, qui fusionne, symphyse ces deux organes, qui blinde le péritoine postérieur comme en le cimentant et qui attire sur les côtés les annexes par le biais de l'infiltration des ligaments utérosacrés.
Il en résulte en fait une torsion du corps utérin vers l'arrière, la rétroversion acquise par ce processus fibreux extensif. Alors, même chose que tout à l'heure, hein, tous ces segments doivent être étudiés les uns après les autres pour détecter s'il existe des lésions, tant dans le plan sagittal que vous a expliqué Dr Zwitten, qui coupe le corps en deux de haut en bas, que latéralement sur les côtés par le biais des ligaments utérosacrés jusqu'à la paroi pelvienne, jusqu'aux uretères, jusqu'à l'échancrure sciatique qui peut donner des douleurs sciatiques. Et donc l'IRM est plus à l'aise que l'échographie pour faire ce bilan, notamment le bilan latéral. Et pour monter en hauteur sur le digestif également. Donc voici des lésions difficiles à expliquer sans pointeur. La seconde image montre une image vaginale du cul-de-sac vaginal postérieur profuse qui donne des douleurs lors des rapports. Et puis il me sera difficile de vous montrer cette atteinte urétérale visible en URM plus facilement par une équipe collégiale de médecins de spécialités différentes que sur l'image échographique semblable en haut à droite. Les autres sites, le thorax, ici une atteinte diaphragmatique, et le docteur Sanchez qui a quitté la Martinique avait coutume de prendre en charge ses patientes. Je ne sais pas s'il y a un relais actuellement pour ces prises en charge. Et les atteintes cérébrales sont excessivement rares. L'IRM est accessible à toutes, hein, vigilance aux contre-indications. Le pacemaker contre-indique l'IRM en ville. Il faut avoir recours à un cardiologue au CHU de Martinique pour l'effectuer. Vos implants, normalement vous disposez d'un document qui nous permet de voir si votre implant est compatible à l'IRM, quel que soit son site anatomique. La grossesse est rarement un problème, mais on évalue s'il y a un risque de grossesse et si l'IRM est nécessaire à ce stade. Et puis la claustrophobie, l'accueil par nos équipes, l'accompagnement par un proche, la réalisation de l'IRM en procubitus, permet de s'affranchir facilement de cette problématique pour la plupart des patientes qui en douteraient. Quant à l'injection de produits de contraste, elle est loin d'être systématique lors de la réalisation d'une IRM pelvienne pour endométriose et l'allergie est tout de même exceptionnelle. Donc ceci fait de l'IRM un examen qu'on ne réserve pas à toutes car il est coûteux pour la société, mais indolore, sa tolérance et surtout lié au bruit. Normalement, on doit vous équiper de bouche-oreille et de casque. L'anxiolyse, j'en ai parlé. Le jeûne 3 à 6 heures avant l'examen favorise l'interprétation puisque les mouvements digestifs altèrent par leur mouvement l'image. L'effectuer pendant les règles est discuté, mais n'est pas systématique. La préparation digestive la veille ou le matin par lavement est recommandée. Le gel vaginal et ou rectal, comme dans l'image en bas à droite, est recommandé par certaines équipes, mais pas toutes, parce qu'en fait, ça distend de façon un peu imprévisible les secteurs vagin et rectum, et ça écrase les cloisons et limite leur étude. Ça crée en fait un certain conflit entre les compartiments. La vessie semi-pleine, c'est tout simplement d'avoir une miction une à deux heures avant, et d'éviter d'être inconfortable durant l'examen. Fournissez surtout toutes vos données, c'est-à-dire vos plaintes symptomatiques, celles recueillies par votre clinicien, vos anciens examens d'imagerie, les comptes rendus opératoires, afin que l'étude soit la plus minutieuse possible. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'injection de gadolinium sera réservée à quelques cas. Alors, l'IRM ne peut pas tout, hein. L'endométriose est une pathologie expansive, comme on l'a compris, et certains examens, l'échographie endorectale notamment, permettent d'évaluer avec une plus grande précision l'extension en profondeur au segment digestif que ne peut encore réaliser l'IRM avec une grande spécificité. Des coloscanners pour les atteintes digestives plus hautes, le bilan urinaire, etc., les examens en vue de la PMA sont indiqués au cas par cas. Donc dans les perspectives, notamment en Martinique, hein, je tiens à dire que nous disposons désormais en Martinique d'un réseau de diagnostics et de soignants avertis et experts dans la pathologie de l'endométriose, soucieux d'une qualité constante qui est difficile à obtenir dans l'île compte tenu des mouvements de soignants, des difficultés d'accès au système de soins en Martinique, comme vous le savez, et d'une continuité d'offres de soins pérennes. Nous sommes motivés à parfaire l'offre de soins.
bien sûr en chirurgie, comme l'a dit le docteur Chevalier, en PMA, au premier lieu en Martinique, et en imagerie, et ce, adossé à des centres experts hexagonaux. Et nous attendons avec impatience depuis plusieurs années déjà les fruits de la recherche locale pour connaître la pathologie ici. Bref, l'endométriose est une pathologie d'espoir et de bataille en Martinique comme dans l'Hexagone. Donc je vous remercie pour vos attentions. Et je passe la parole au docteur Beer du CHU de Martinique qui va nous présenter son travail. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je n'ai pas de support, vous excuserez le manque finalement de support pédagogique, mais on va essayer de, en quelques minutes, de parler d'un phénomène qui est complexe, qui est la douleur. Alors, pour cause, je travaille en tant que médecin dans un centre d'évaluation et traitement de la douleur chronique. Donc, ce sont des centres qui sont dédiés à la prise en charge des douleurs chroniques, quelles que soient leurs origines. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi on rencontre des douleurs dans l'endométriose, même si on a déjà vu un petit peu avec nos confrères, consoeurs, ce qu'il se passait. Alors, la douleur est un phénomène complexe, subjectif, qu'on a tous expérimenté, et on pourrait la définir comme une expérience sensorielle et émotionnelle qui est liée habituellement à un dommage tissulaire. Alors, on parle d'expérience sensorielle parce que il nous faut forcément un support anatomique, ce sont des nerfs avec des récepteurs spécifiques qui vont intercepter un signal extérieur pour le transmettre à des centres nerveux, à un centre nerveux en particulier qui est le cerveau. On sait que le cerveau chez l'homme c'est quelque chose de complexe et c'est ce cerveau qui va faire le décodage de l'information et donner cette tonalité désagréable. Alors, je vais vous définir un petit peu les trois types de douleurs que l'on pourrait individualiser en fonction des phénomènes rencontrés. Et auparavant, je voudrais insister sur une notion qui est importante à travers deux exemples. Alors, deux exemples qui sont tirés de la réalité. On va prendre le premier exemple qui est celui d'un travailleur manuel, en l'occurrence un charpentier, qui travaille normalement et qui, en trébuchant, marche sur un clou de chantier. Le clou traverse le pied au demeurant. L'ouvrier a très mal. Il est amené aux urgences. Et puis, le temps de découper la botte pour voir ce qui s'était passé, on lui administre de la morphine, ce qui se fait de façon tout à fait normale, jusqu'à une dose qui permet de soulager le patient. On voit qu'il est très douloureux, il est très souffrant. Et au moment où on a découpé la botte et on l'a retirée, on s'aperçoit que le clou est situé entre les deux doigts de pied. Autrement dit, le clou n'a pas traversé le pied. Et le patient est aussitôt soulagé en voyant que finalement, il n'y a pas eu de dégâts. Le premier exemple, vous voyez qu'il n'y a pas eu de stimulation et de dommages corporels et le patient avait un ressenti douloureux. Et deuxième exemple qui est bien sûr connu de tout le monde et que nous n'avons pas heureusement tous expérimenté, mais qui est d'actualité, on sait très bien que les blessés de guerre qui perdaient de temps en temps un membre à l'occasion d'un éclat d'obus pouvaient parfois prendre 30 secondes pour s'en apercevoir et donc ne ressentaient aucune douleur. On voit bien qu'il y a un effet contextuel, c'est-à-dire que le stress, l'adrénaline permettaient à ces personnes de ne pas prioriser le phénomène douloureux et de privilégier la fuite et la survie. Donc vous voyez deux exemples très contradictoires qui montrent à quel point la douleur est un phénomène extrêmement labile et qui est en particulier chez l'homme assujetti à notre compréhension du monde, notre vision du monde, mais également notre éducation et nos expériences antérieures. Donc on est parti d'une vision très linéaire qui était de dire la douleur naît à partir de la périphérie, de récepteurs périphériques, elle est véhiculée au centre nerveux et elle apparaît de façon proportionnée au dommage corporel. Et ce n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'on a
un véritable contrôle de notre cerveau sur ce qui se passe. Alors on parle à présent de vision circulaire et on parle même de contrôle inhibiteur d'origine centraux, c'est-à-dire que de façon permanente, notre cerveau agit comme un espèce de frein sur les phénomènes douloureux et tous autant que nous sommes, nous pourrions avoir mal aux fesses en restant assis trop longtemps, on pourrait avoir mal aux talons en restant longtemps debout, mais heureusement, notre cerveau est bien fait et vient freiner cette information douloureuse. Donc ça, avant toute chose, c'est très important de le comprendre parce que ça nous permet de comprendre à quel point la prise en charge de la douleur fera nécessairement intervenir différents acteurs et pas seulement une prise en charge biomédicale. Alors, avant de parler de douleur et endométriose, je voudrais vous rappeler les trois types de douleurs qu'on distingue, nous spécialistes. Alors, on a la première catégorie qui est la douleur par excès de nociception, comme ce nom l'indique. C'est une douleur qui naît à partir de la stimulation des récepteurs périphériques. Vous allez me dire, c'est toutes les douleurs que l'on connaît effectivement. Dès lors que vous approchez la main d'une flamme, eh bien, vous avez une douleur par excès de nociception. Dès que vous cassez quelque chose, vous avez une douleur par excès de nociception. Dès lors qu'un patient arrive aux urgences avec une pathologie aiguë, a de façon certaine une douleur par excès de nociception. Donc celle-ci, on la connaît tous. Et on verra un petit peu dans quel cas on peut la rencontrer dans les endométrioses. Le deuxième cas de figure, c'est la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, on la connaît pas bien. Et c'est dommage parce qu'elle est très fréquente et elle est liée à une lésion du système qui conduit l'information douloureuse, c'est-à-dire que ce sont les nerfs qui sont impliqués, qui sont touchés et qui ne parviennent pas à véhiculer l'information correctement. Alors je vais vous citer un exemple très simple pour que l'on puisse comprendre ce qu'est une douleur neuropathique, parce que si on rentre dans les détails physiopathologiques, ça va être compliqué. Mais on a tous fait l'expérience d'aller chez le dentiste, malheureusement. Et lorsque vous sortez de chez votre dentiste et que vous avez été anesthésié, vous avez tous une sensation bizarre au niveau de la bouche. Je pense que vous l'avez tous expérimenté. La première chose qui pourrait nous venir à l'esprit lorsque l'on examine ce phénomène, on pourrait se dire, puisque l'on a été anesthésié au niveau de la bouche, on pourrait ressentir une espèce de trou, un vide. Mais ce n'est pas ce que l'on ressent. Je pense que vous avez tous fait l'expérience et vous avez tous l'impression d'avoir la bouche qui est plus grande, qui est gonflée. D'ailleurs, on se regarde dans la glace en se disant, bon, est-ce que je n'ai pas une déformation ? Mais quand on regarde bien, il n'y a pas de déformation. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? On explique ça de la façon suivante. C'est dès lors que le cerveau ne perçoit pas une sensation correctement, et bien, qu'est-ce qu'il fait ? Le cerveau, il va réinterpréter ce signal et il va même augmenter sa capacité à percevoir le signal. C'est-à-dire qu'il va l'amplifier, il va le reconstruire. Alors vous avez l'impression d'avoir une bouche plus grande, mais en réalité, c'est une reconstruction que le cerveau effectue pour pallier au manque d'informations. Alors vous, peut-être que vous avez connu dans votre entourage des personnes qui ont été amputées. Mais dans l'amputation, vous avez le même phénomène, c'est-à-dire qu'un membre qui est absent peut générer d'importantes douleurs. Et le patient peut signaler une douleur très précise dans l'extrémité de son membre en signalant des douleurs à type de fourmillement, de picotement, de brûlure, d'écrasement. C'est des douleurs extrêmement intenses et ce n'est pas de son imaginaire, ce n'est pas le fruit de son imaginaire, c'est une douleur qui est reconstruite à partir de la matrice cérébrale. Donc, en résumé, une douleur neuropathique, c'est une douleur qui survient dès lors que les nerfs ont été touchés, les nerfs ont été lésés, les nerfs ont été coupés, les nerfs ont été écrasés, et qu'ils ne parviennent plus à acheminer une sensation normale au cerveau. Alors on va parler de la dernière catégorie étiopathogénique des douleurs, qui est une catégorie plus récente qu'on qualifiait auparavant de douleurs psychologiques.
Mais en réalité, les douleurs psychologiques n'existent pas. Et moi, en tout cas, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Si bien qu'il y a quelques années, les groupes d'experts ont décidé d'appeler cela les douleurs dysfonctionnelles, en référence à un dysfonctionnement du système nerveux. Et très récemment, en 2018, je crois, l'Association internationale pour l'étude de la douleur a statué sur un terme qui est la douleur nociplastique. Alors nociplastique, ça fait référence à nociception, douleur. Plastique, ça fait référence à plasticité. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre cerveau est là pour moduler l'information douloureuse en permanence. Eh bien, on pense que ces douleurs nociplastiques résultent d'un mauvais fonctionnement de ces contrôles inhibiteurs d'origine cérébraux, c'est-à-dire que le cerveau ne parvient plus à moduler l'information douloureuse, et peut-être que dans votre entourage, vous avez également connu des personnes qui présentent ce qu'on appelle des syndromes fibromyalgiques, des douleurs diffuses, permanentes, qui surviennent lors de la moindre stimulation, parfois une stimulation qui est totalement indolore. Donc, une fois qu'on a compris ces trois distinctions, c'est-à-dire la douleur par excès de nociception, la douleur neuropathique et la douleur nociplastique, on va essayer de les repositionner un petit peu dans le cadre de notre endométriose. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'endométriose est à l'origine de lésions hémorragiques, parfois kystiques, qui entraînent une inflammation. Et comme vous avez maintenant tout compris à la douleur, on comprend aisément qu'il existe des douleurs par excès de nociception lors de ces phénomènes-là, lors de ces phénomènes d'inflammation, et ce sont des douleurs qui surviennent effectivement majoritairement durant les cycles et dont la localisation est variable en fonction de l'atteinte de l'organe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que les douleurs profondes ne se manifestent pas de façon claire. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et souvent, les douleurs finissent par se projeter à la surface. Et elles se projettent, en l'occurrence, entre la région abdominale et la région pelvipérinéale. Donc, ces douleurs par excès de nociception sont très fréquentes et elles sont surtout présentes au début. Et très rapidement, lorsque l'on rencontre ces femmes,
Retour au direct alors, c'est bon? Donc je crois que ça a coupé au moment où on parlait des douleurs neuropathiques. Je disais donc qu'il existait des petites lésions inflammatoires dont on parlait tout à l'heure. C'est OK? Oui. Ces petites lésions inflammatoires vont être à l'origine de lésions nerveuses. Alors, il y a de tout petits nerfs au niveau de la région pelvienne. C'est une région qui est très innervée. Nerfs qui sont dédiés à la sensibilité qui n'est pas consciente, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe. Mais dès lors qu'ils sont atteints, ces nerfs, ils vont être à l'origine de symptômes très particuliers, très difficiles à diagnostiquer d'ailleurs, puisque ce sont des nerfs profonds. Alors ça, c'était la catégorie des douleurs neuropathiques rattachées à l'endométriose. Et la troisième catégorie donc de douleurs que l'on rencontre, ce sont les douleurs par nociplastique, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des douleurs qui sont liées à un dysfonctionnement de ces voies inhibitrices, des voies freinatrices de la douleur. Les douleurs nociplastiques sont très largement rencontrées parce qu'elles sont liées probablement à la persistance de douleurs neuropathiques et de douleurs par excès de nociception d'ailleurs. Et ce sont des douleurs qui ont été identifiées à travers de nombreux papiers qui ont été publiés dans des revues sérieuses, des revues internationales, qui ont montré que les femmes qui présentaient des endométrioses avaient volontiers des douleurs diffuses, notamment des expériences qui ont été réalisées au niveau des mains dans les alentours de 2005, qui montrent que lorsqu'on exerce des stimulations simplement tactiles avec pression au niveau des mains, les patientes qui ont une endométriose ont un seuil de sensibilité qui est plus bas. Et donc, on en a déduit, et maintenant ça fait quelques années que ça a été largement prouvé, que l'endométriose est à l'origine d'un dysfonctionnement de ses contrôles inhibiteurs. Alors, on imagine très bien qu'une douleur qui persiste, comme c'est fréquemment le cas en pratique, est à l'origine d'une défaillance de notre capacité à contrôler la douleur. Évidemment, ce ne sont pas des phénomènes conscients. C'est des phénomènes qui s'opèrent de façon totalement inconsciente. Alors, on vient de passer en revue de façon très brève les trois types de manifestations douloureuses qu'on rencontrera dans l'endométriose. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui sont liés aux manifestations qu'on a appelées dysfonction d'organes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a vu tout à l'heure, et qui sont probablement, d'après nous, liés à, entre autres, à des perturbations sensorielles et des lésions, des petits nerfs qui sont contenus dans la cavité pelvipérinéale. Donc on pense que, et c'est ce que l'on rencontre en pratique, on rencontre beaucoup de dysfonctionnements d'organes, c'est-à-dire des douleurs mixtionnelles, mais aussi des contractions anormales de la vessie, des douleurs évidemment pendant les rapports, des douleurs, des difficultés parfois pour aller à la selle, bref, toute une défaillance organique qui est probablement consécutive à une forme de sensibilisation de la sphère pelvienne. Sensibilisation, d'ailleurs, que l'on rencontre la plupart du temps lorsqu'une douleur persiste ou lorsqu'une douleur est récidivante, c'est-à-dire que notre cerveau agit comme une sorte d'amplificateur du signal douloureux. Alors, on dit souvent, j'ai enduré pas mal de douleurs dans l'enfance, donc je suis plus résistant. C'est absolument pas vrai. D'ailleurs, c'est en pratique, c'est le contraire. Et on a vu tout à l'heure que les adversités précoces, les abus dans l'enfance, la maltraitance étaient souvent à l'origine de douleurs chroniques. Ça, c'est quelque chose qui en pratique est extrêmement fréquent. Donc sachez que voilà, les antécédents psychotraumatiques et traumatiques en général sont pour nous très importants et peuvent induire des défaillances de nos capacités à contrôler la douleur. Donc, on comprend très rapidement à travers ce bref exposé que la prise en charge de la douleur est quelque chose de complexe,
qui doit faire théoriquement intervenir de nombreux acteurs de santé. On va parler de médecins, évidemment, qui sont pour certains spécialisés, mais ce qui est important, c'est de faire toujours de la synthèse. On organise des staffs régulièrement pour confronter les avis. Et on a besoin de psychologues, bien sûr. On a besoin souvent de personnes qui exercent des médecines alternatives. Mais évidemment, tout ce qui est sophrologie, relaxation, sexologie aussi, dans ce cadre-là, c'est essentiel. Et donc, un travail interdisciplinaire, transdisciplinaire est indispensable. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps, et puis place aux questions si vous voulez approfondir d'autres notions. Merci. Je laisse la parole à ma voisine. Oh, je ne vais pas être très longue. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis docteur d'Espagne Christiane, gynécologue obstétricienne, et donc je participe à ce webinaire pour éventuellement répondre à quelques questions que vous auriez à poser avec mes confrères, bien sûr. Et je ne vais pas faire de topo, rassurez-vous, parce qu'il faut vraiment laisser une large place aux questions. Donc on va lancer les questions tout de suite et j'y répondrai, et mes confrères et consoeurs y répondront également. Donc la parole est au public. Je voudrais juste préciser quand même deux petites choses. À la suite donc des brillantes interventions qu'on a eues, il faudrait quand même garder en tête que uniquement 24% des douleurs pelviennes sont d'origine endométriosique. C'est très important parce que ça veut dire que 76% des douleurs pelviennes ne sont pas d'origine endométriosique, et que si l'endométriose est une pathologie chronique très très invalidante, il ne faut pas non plus en faire une psychose, parce que c'est important, une fois qu'on a mis une étiquette sur une pathologie qui n'en est pas une, c'est comme vous l'a dit déjà monsieur, il est très difficile ensuite d'enlever ça de la tête, et ça laisse toujours des cicatrices. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous avez remarqué que comme c'est une pathologie importante, le diagnostic est important, donc il faut éviter aussi devant toute douleur de règles d'aller embouteiller les IRM, parce qu'on a déjà du mal à avoir des examens des IRM pour d'autres pathologies, et que vous avez bien vu que ce n'est pas l'examen de première intention. Et enfin, je voudrais dire quand même que on a vu que pour la gestion de la douleur, les médecines alternatives étaient indispensables, voire, enfin, en tout cas, étaient utiles. Dans la gestion de la pathologie, malgré les performances, quelles qu'elles soient, en imagerie, en chirurgie, en traitements médicaux, il faut que la patiente aussi se responsabilise et prenne en charge son hygiène alimentaire et son hygiène de vie, puisqu'on a vu que c'est une pathologie extrêmement inflammatoire, donc il faut diminuer l'inflammation de l'organisme. Et deuxièmement, comme c'est une pathologie qui est hormonodépendante, il faut également, par son hygiène de vie, diminuer tout ce qui est stimulateurs hormonaux, donc alimentation artificielle à base de produits transformés et donc certainement très riche en perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc, je laisse la parole au public pour les questions. Désolée pour ce petit passage. Donc, nous allons passer à quelques questions, et pour rassurer certaines et vous dire que sur le chat, en fait, on remercie docteur Jean-Laurent Mehdi qui a déjà répondu à pas mal de questions. Donc nous allons passer aux questions restantes dans les 20 minutes qui suivent. Donc première question.
Alors, de façon générale, la prise en charge des douleurs chroniques induit toujours de facto une prise en charge multimodale. Vraiment, on a besoin d'outils médicamenteux parce que c'est malheureusement souvent indispensable au départ. On a vu tout à l'heure qu'il existait des traitements de type anti-épileptique, j'aime pas trop les termes, et de type antidépresseur. Pourquoi ? Parce que si vous avez un petit peu, si vous avez compris ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont des médicaments qui agissent sur notre cerveau pour induire finalement une diminution des douleurs. Donc il ne faut pas en avoir peur, on utilise beaucoup de médicaments de ce type-là, ils sont souvent bien tolérés parce qu'on accorde une importance capitale à la qualité de vie, sinon on ne ferait pas de la douleur. Hein. Donc toujours veiller à ce que ce soit bien toléré, qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires, et bien sûr, une fois qu'on a amorcé ce type de traitement, on laisse la porte ouverte à énormément d'autres traitements, parce que c'est capital. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique, mais c'est un mot un petit peu savant pour dire que vous avez besoin, vous, les patients, de vous réapproprier tous ces mécanismes de compréhension. Vous avez besoin de comprendre précisément ce qui se passe pour pouvoir après adopter des attitudes, des comportements, des techniques de relaxation, d'auto-hypnose, de respiration et autres. Donc tout ça, c'est capital. Bien sûr, tous les autres aspects sont évidemment très importants, comme la kinésithérapie bien conduite. Et souvent, on est obligé un petit peu de donner des outils aussi au kiné, parce qu'il a besoin aussi, lui, d'avoir une formation. C'est important pour nous d'avoir des kinés qui connaissent bien la douleur. Après, à la deuxième question, pourquoi on s'évanouit quand on a des douleurs ? De façon générale, tout le monde ne s'évanouit pas quand il est douloureux. On a des réponses qui sont extrêmement variables d'une personne à l'autre. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la douleur, c'est quelque chose de subjectif. On ne la vit pas tous de la même façon. On ne l'exprime pas non plus tous de la même façon. Donc... il est important pour nous, médecins en particulier, de ne pas avoir d'a priori par rapport à la douleur, surtout la douleur qui dure. Donc c'est bien que vous nous rappeliez qu'effectivement, on peut avoir dans certains cas des réactions particulières. Et puis parce que si la douleur induit des réactions au niveau de notre système de défense, notre système qu'on appelle notre système neurovégétatif, et vous voyez bien que pour certaines personnes qui... sont très sensibles à la vue du sang, elles s'évanouissent. Et bien, de même que chez certaines personnes, le fait d'avoir une douleur vive peut exacerber peut induire des réactions de ce type-là. Donc, c'est une variante comportementale qui s'observe tout à fait. Il y a des gens qui prennent la fuite, il y a des gens qui sont agressifs, il y a des gens qui sont prostrés, qui sont renfermés sur eux-mêmes, il y a des gens qui ont tendance à être un peu. On appelle ça une réaction vagale, hein, vagotonique, c'est-à-dire qu'ils vont directement mettre leur système nerveux végétatif en action et sur le versant plutôt freinateur, ils vont s'évanouir. Voilà. J'espère que ça répond un peu à vos questions, mais la prise en charge de la douleur est toujours très complexe et fait intervenir énormément d'outils différents. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que pour la douleur neuropathique, et c'est ce que j'explique souvent à mes patients, on est pour l'instant, en 2022, on est obligé de passer par l'étape médicamenteuse. Pourquoi ? Parce qu'une lésion d'un nerf induit de telles réactions au niveau de notre système nerveux, de tels schémas adaptatifs au niveau de notre cerveau, qu'on est obligé de passer par l'étape médicamenteuse pour venir calmer ce système nerveux qui s'emballe. Je vous disais tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de l'anesthésie dentaire. On anesthésie une partie du visage. Ne serait-ce que 2 heures après, on a déjà une réaction de notre cerveau qui essaye de reconstruire la partie de la bouche qui a été endormie.
Donc vous imaginez que quelqu'un qui a une douleur neuropathique qui dure depuis 3-4 ans, vous imaginez un peu les dégâts que ça peut induire. Alors, j'aime pas trop ce terme dégâts, mais je suis obligé, pour bien vous faire comprendre les choses, que ça induit des véritables modifications au niveau du cerveau. Et il y a plein d'expériences qui ont montré que il y a vraiment une neuroplasticité aberrante qui se met en place, d'abord qui est là pour compenser le manque d'information, et après qui devient un peu défaillante, ou du moins qui ne nous rend pas service parce qu'elle est à l'origine des douleurs. Donc on est obligé de passer par des traitements de type antidépresseurs, mais pas n'importe lesquels. Il y en a qui ne marchent pas, il y en a d'autres qui marchent très bien. Antiépileptiques, on les utilise, pas tous. Après, il existe d'autres médicaments qu'on peut utiliser de façon très précise. On essaye d'éviter de façon générale, et ça peut surprendre, tous les traitements morphiniques, parce que les traitements morphiniques au long cours induisent même une exacerbation des douleurs neuropathiques. C'est étonnant, mais c'est quelque chose qui est maintenant bien démontré, c'est-à-dire que si vous prenez un patient avec des douleurs neuropathiques et que vous le mettez sous morphine, vous risquez de majorer ses symptômes. De même que si vous prenez un sujet qui n'a pas de douleur et que vous le mettez pendant une certaine période sous morphine, ce qui n'est pas quelque chose de très courant, évidemment, mais ce qui se voit dans les prises d'héroïne, puisque vous savez que l'héroïne et la morphine, ça se ressemble beaucoup, eh bien, vous induisez des douleurs diffuses. Donc, les traitements morphiniques au long cours ne sont pas une solution à la prise en charge des douleurs neuropathiques, et donc, il ne faut absolument pas y avoir recours, il faut à tout prix même tenter de les diminuer. Donc ça, c'est sur le volet médicamenteux. Sur le volet non médicamenteux, les douleurs neuropathiques sont très très dures à prendre en charge. Et souvent, malheureusement, le recours à la kinésithérapie peut être parfois source d'exacerbation des douleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que dans les douleurs, ce qui caractérise une douleur neuropathique, entre autres, c'est le fait que le simple fait d'effleurer une zone cutanée peut être à l'origine d'une douleur. Donc c'est des gens qui viennent vous voir en disant, et vous savez peut-être de quoi il s'agit, le simple fait de mettre mon t-shirt va induire une douleur. Le simple fait de porter un vêtement ample qui va venir effleurer la zone douloureuse, ça peut me générer une réaction très vive. Donc parfois on a des patients qui arrivent en disant, bah voilà, j'ai fait de la kiné. J'ai fait plein de séances de kiné, mais à chaque fois, ça exacerbe les douleurs. Pensez-y, ça peut aussi être une douleur neuropathique dans ce cas-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de kiné, mais il faut faire une kiné bien conduite, et d'où l'intérêt d'avoir vraiment un kiné qui connaît bien ce type de douleurs et qui les identifie. Et après, vous avez bien sûr tout le volet, je dirais, relaxation, méditation, hypnose, qui peut être intéressant, même très intéressant dans le cadre des douleurs neuropathiques. Voilà. En gros, les outils que l'on a à notre ressource. En principe, la ménopause entraîne une disparition de l'endométriose, puisque la ménopause se définissant comme un arrêt total et définitif du fonctionnement ovarien, en principe, les nodules, les lésions endométriosiques n'étant plus stimulées, elles s'atrophient, elles s'amenuisent, et disons, si elles ne disparaissent pas au plan anatomopathologique, en tout cas, elles ne se manifestent plus au plan clinique. Pas du tout, parce qu'il y a énormément d'adénomyose dans notre population, et qui dit adénomyose ne dit pas forcément infertilité. D'ailleurs, qui dit endométriose ne dit pas non plus forcément infertilité. Il ne faut pas associer, l'infertilité est une des complications de l'endométriose, mais n'est pas endométriose n'égale pas infertilité à coup sûr. Pouvez-vous diagnostiquer
pour les traitements médicaux ? Bah, c'est-à-dire qu'on a les recommandations, c'est qu'on a des traitements en première ligne qu'il faut tester, donc d'abord les pilules œstroprogestatives ou bien le Mirena, et si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire si la patiente reste symptomatique avec des douleurs, et bien dans ce cas-là, on a d'autres lignes en seconde intention de traitements qui sont proposés, à savoir les progestatifs, l'implanon, les analogues de la GnRH ou encore le Visan. Sous quelle forme ? Ah. Qu'est-ce que c'est les analogues ? C'est des comprimés, des piqûres ? Alors, pour les contraceptifs, il y en a sous plusieurs formes. Hein. Il y a les contraceptifs oraux, après il y a aussi l'anneau, il y a le patch, le stérilé avec le Mirena. Pour ce qui est des analogues de la GnRH, ce sont des injections. Ouais. Ça, j'espère avoir répondu à la question. L'intérêt, c'est de maintenir un taux hormonal constant et ne pas qu'il y ait de variation pour que les tissus d'endomètre ne se développent pas et ne créent pas d'inflammation. Je pense que le docteur d'Espagne répond. Alors, chez les très jeunes filles, effectivement, échec de traitement par pilule, quelle qu'elle soit, ce qui est étonnant. Si ce sont des jeunes filles qui ont déjà une vie sexuelle, on peut proposer un stérilet, le stérilet hormonal, qui n'est absolument pas contre-indiqué chez la jeune fille qui n'a jamais eu d'enfant. Alors, j'entends par jeune fille au-delà quand même de 16-17 ans, hein, parce qu'une enfant de 13, 14, 15 ans, c'est un petit peu plus délicat. Ensuite, si le stérilet ne marche pas, à ce moment-là, il faut effectivement passer au traitement, aux antidouleurs un petit peu plus spécialisés. Mais en général, quand on me dit la pilule ne marche pas, très souvent, ce sont des femmes à qui on n'a pas donné peut-être une pilule adaptée. Parce que quand on voit le nombre de pilules différentes, de types de pilules différentes à notre disposition, c'est quand même rare qu'on n'ait pas une pilule adaptée. Maintenant, que ça ne marche pas sous pilule. Maintenant, si effectivement, après un traitement bien conduit d'œstroprogestatif, les douleurs persistent, il faut passer à autre chose. Et puis, comme a dit Madame Docteur Chevalier, bon, il faut avoir recours à un centre spécialisé pour voir avec les différentes images échographiques IRMO s'il ne faut pas aborder un traitement chirurgical de la lésion ou autre. La question est un peu difficile. D'abord, en dépit de la ménopause, est-ce qu'on parle toujours chez une femme endométriosique ? Ben d'abord, il faut faire un examen gynécologique parce que ces douleurs au rapport sexuel peuvent être liées à tout autre chose qu'à de l'endométriose, je le répète. Et il ne faut surtout pas être focalisé dessus parce qu'on peut passer à côté de lésions beaucoup plus graves comme certains cancers, déjà. Ou bien comme certaines complications de la ménopause non traitées hormonalement parlant, c'est-à-dire des atrophies du vagin, des atrophies de la vulve, et qui donnent des douleurs au rapport sexuel, voire des saignements. Donc il faut un examen gynécologique bien conduit. Alors, les kystes aux ovaires liées à l'endométriose s'appellent des endométriomes. Ceux-là sont liés à l'endométriose. Mais les kystes aux ovaires, en général, ne sont pas forcément liés à l'endométriose. Vous avez des kystes qu'on appelle fonctionnels, qui apparaissent après l'ovulation et qui disparaissent pendant les règles. Ça n'a rien à voir avec l'endométriose. Vous avez des kystes dits organiques, c'est-à-dire des kystes qu'il faut absolument enlever parce qu'ils ne vont jamais disparaître. C'est ce qu'on appelle vous avez des kystes dermoïdes ou autres,
qui sont des pathologies qui n'ont absolument rien à voir avec, l'endométriose. Les kystes, l'endométriose peut donner des kystes ovariens, ça s'appelle des endométriomes, mais qui ont des caractéristiques spécifiques. Mais tout kyste de l'ovaire n'est pas forcément consécutif à de l'endométriose. Je voudrais préciser qu'une femme qui a de l'endométriose, qui est ménopausée, si elle saigne ou si elle a mal, elle doit absolument consulter un médecin spécialiste. Il n'est pas question qu'elle garde dans la tête que parce qu'elle a eu de l'endométriose pendant 20 ans, l'endométriose continue à se manifester. Parce qu'à ce moment-là, on aura affaire à des pathologies autres, qui graves, qui vont progresser, et à des diagnostics de cancer, des fois tardifs. Merci beaucoup, docteur Dispagne, pour cette conclusion. Donc, compte tenu de l'heure, nous allons être obligés de conclure, et surtout, donc, du coup, j'espère que ce webinaire, il a permis quand même de répondre à nombre de vos interrogations sur l'endométriose, de comprendre un peu la complexité de cette pathologie, que ce soit pour vous comme les professionnels de santé. Mais aussi, vous avez dû vous apercevoir des possibilités maintenant que l'on a en Martinique qui s'offrent à vous, à nous, dans la prise en charge de l'endométriose et aussi également au niveau de son traitement. Et ça, c'est grâce à la qualité des interventions de nos partenaires, de nos intervenants ce soir, que je remercie beaucoup, parce que ça a été vraiment de qualité. Je remercie aussi le docteur Jean-Laurent qui a pu sur le chat répondre à plusieurs questions. Merci à lui. Je remercie aussi l'Agence régionale de la santé de s'être connectée ce soir. Je remercie bien sûr l'association EndoFrance avec qui nous collaborons avec vraiment de plaisir. Voilà, j'espère à tous que vous avez passé une bonne soirée. Je remercie aussi le public, toutes et toutes, pour votre participation, en vous souhaitant bon courage et puis peut-être à l'année prochaine. Merci.